pour la troisième partie avec les lapins qui sont un peu tous mélangés. Alors là, nous avons des lapins Playmobil. Alors là, nous avons Pompidou. Là, nous avons Filou. Ici, nous avons Scrat. Au dehors, mon vieux lapin. Ici, nous avons Carotte. Là, nous avons Mascotte, Pompon et Grisouille. Ici, nous avons Pampin. Voilà, Pompon, Pampin. Et dedans, nous avons Blanco, Noiri et Pâques. Voilà. Voilà, il y a leur truc qui se présente comme ça. Il est quand même assez grand. Ici, nous arrivons à la simulation chevaux de trait avec Bruno, Angus, son frère, Soleil et Liberty. Nous voilà dans... ici, nous avons un petit couloir. On va passer à la porte. Voilà, ici nous avons un petit couloir pour accéder à la porte de l'écurie. Voilà, ici nous avons les dortoirs, le clubhouse qui est au bordel, que j'ai arrangé, et le bureau avec Tania, la secrétaire, qui regarde des trucs sur son ordinateur. Voilà, il est comme ça. Bref, je vais pas vous faire le truc. Ici nous avons deux chevaux. Alors nous avons les chevaux les plus pénibles du centre équestre, enfin les plus durs à dresser ou qui sont pas encore dressés. Tornade, qui personne n'arrive à monter, enfin à part une personne. Et Viking, qui n'est pas encore dressé. On lui a mis déjà sa couverture, mais fais pas attention, c'est des rênes et une selle, mais je dis que c'est une couverture. Enfin, je dis que ça reste une couverture. Ici nous avons Mimi qui le regarde un peu étonné. Juste là, nous avons, j'ai oublié de préciser, Aline qui range une de la selle qu'elle a utilisée, avec un poster. Et là, ici, nous avons Monokuma qui l'attend, enfin qui a peur de Nonos parce que Nonos peut jouer avec lui. Et là, nous avons une balle de golf, je sais pas ce qu'il fait là. Là, est-ce qu'on arrive à voir l'entrée? Enfin, voilà le petit couloir pour l'entrée. Et on passe en-dessus, nous avons des boxes vides, à part ici, nous avons le box à Pegasus, à Oma, à Quasimodo et à Vénus, l'écurie propriétaire. Voilà. Ici, quand on descend, nous avons Georges et Olivia, une palefrenière qui discute avec lui, des chevaux. Buddy qui va les rejoindre. Quand on descend, nous avons les chiens et les chats. Enfin, beaucoup les chiens. Enfin, c'est beaucoup l'endroit des chiens. Alors, ici, nous avons Titou, Tosca, Balthazar, Marley. Un curpier qui traîne là, je sais pas pourquoi. Roméo, Belle Blanche. Oui, en fait, à l'époque, ça s'appelait Viking. Mais j'hésite à l'appeler Clochard. Je sais pas. Enfin, Clochard, c'est pas un très bon nom, hein, ça je peux l'avouer, mais. Je sais pas. Bon, lui, c'est. Sultan, voilà, je voulais l'appeler Sultan. Enfin, pas Clochard, Sultan, désolé. Sultan, Nature et Beethoven 2. Ici nous avons une douche, voilà, comme ceci, un endroit vétérinaire avec de l'eau et des pommes, bref, la céleri qui est en trop bordel. Ici nous avons la suite, l'écurie de Flèche et Flocon Champion, le Falabella, que je sais pas du tout où il est. J'ai reçu mon centre casse mais je l'ai pas du tout trouvé. Enfin, je sais pas du tout où je l'ai mis ce cheval, comme Flamèche d'ailleurs. Bon bref, de toute façon, le Falabella, je sais pas, hésitez à le racheter, si je le retrouve pas. Mais si je le retrouve pas, bah on va faire des trucs dans son box, bref. Et là, il y a Flash qui a un accès sur le pré. Ici, nous avons les dortoirs pour les propriétaires quand ils restent là la nuit. Si un cheval qui a un coup, c'est comme ça. Avec une vue sur le pré. Ici, nous avons un poster. Voilà. On se tourne, ici, nous avons le parking. Voilà. Avec la voiture des propriétaires, Playmobil, le van poulain poney Playmobil, et là nous avons un van de balade fait de ma création. Ici nous avons le camion de compétition, et normalement le van et la voiture qui sont là-bas. On finit par le droit de ponçage, on va entrer la quatrième partie. Alors ici nous avons des boxes vides, la Sniffer et la scie, des brosses, un banc, des trucs de ponçage. Et on va tout de suite faire la... quatrième partie.